peut quand même rien dire, la baraque c'est très très chaud. Ouais. Vraiment la maison c'est quelqu'un, on peut dire vraiment que c'est quelqu'un. Pourquoi le portail il est ouvert? Je suis dans le jardin avec Sissika, d'un coup on voit le portail qui est ouvert. Portail ouvert égale le chien qui peut se barrer. Donc forcément là, on commence à s'inquiéter. Elle est où Blue? Portail ouvert, c'est pas intéressant. Blue? Blue? Elle est pas du côté de la piscine? Tu vois pas, ce jardin est un palace. Carrément, il peut être partout. C'est qu'en plus, elle espère beaucoup. On l'appelle, il ne répond pas, alors que vraiment, ce chien répond toujours. Dans les buissons? Mais là, c'est une mission, c'est la mission. Là, mais comment on va le trouver, frère? Imagine, il est je sais pas où, au Burj Khalifa ou chez un voisin. Blue? Blue? Blue, j'ai des croquettes pour toi. Je cherche Blue, je sais pas où elle est, je cherche. J'arrive pas à la trouver. Je me dis catastrophe, c'est très grand ici, on sait pas comment on va la retrouver. Qui appeler, comment ça se passe. La seule solution, c'est de commencer à l'annoncer à tout le monde dans la maison. C'est comment la famille? Hein? Il est où Blue? Elle est où? Elle était dans le jardin tout à l'heure, je l'ai vu passer. Tout à l'heure, on la cherche, on l'a pas vue. Hein. Blue? Ouais. Mais pourquoi vous la cherchez? Tu déconnes là. Bah, parce que quand on est sorti, on a vu le portail, il était ouvert. Le portier en dehors? Direct. Elle est où? Bien évidemment, la GLC Family, ça a toujours été les montagnes russes. Et jusqu'à ici, tout se passe bien. Il est là. Le chien a disparu. C'est un gros problème. Parce que ce chien-là est la chose la plus précieuse de Chelsea et de Kaden. Non, mais c'est ça, c'est pas... Je vous jure, on a sifflé dans la maison, jardin, elle n'est pas dans le jardin. Mais dans la maison, peut-être. Sifflé dans la rue? Non, dans la maison, on a fait. Mais on a sifflé dans toute la rue, on aurait dit que... On est sorti dans la rue, on a fait. Mais là, c'est compliqué parce qu'elle ne la connaît pas, la maison. Je ne sais pas où est Blue, mais là, il va falloir que tout le monde s'active de trouver Blue très rapidement. Chelsea et Kaden vont péter un plomb, là. Il y a des voitures, là, qui roulent et tout. Pas carré, là. Toi, cours. Moi, je vais d'un côté, toi, tu vas de l'autre. Moi, je cours. C'est quoi ça? Trouve le chien. Attends, mets le flash sur le téléphone parce qu'elle se met dans les buissons des fois. Putain! On se jette dans la golfette, on n'a même pas de chaussures. À la recherche de Blue, on siffle, on crie. Blue, Blue, Blue! Introuvable. Elle est introuvable. So really, please guys, please, 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 text me if you find any sign of Blue. If you see anywhere in District 1, please call me. On poste des vidéos sur les réseaux sociaux, on la cherche dans le quartier, on appelle le Père Noël, ce qu'on veut, Macron, mais il faut que Blue revienne, en fait, c'est impératif. Non, mais là... Mais tous les jours, on va avoir une couille ou c'est comment, en fait? Blue! C'est quoi, elle est partie à l'ancienne maison, non? Je suis assez inquiète comparée à d'habitude, parce que oui, c'est une fugueuse, mais généralement, elle sait où elle habite, donc elle revient au bout d'une heure. Là, elle ne sait pas où nous sommes. Donc, est-ce que Blue va revenir? Mais meuf, elle n'est pas là. Non, mais là, elle serait venue nous voir. Mais elle serait partie où? Il y a combien de temps, en fait? C'est surtout ça, il y a combien de temps? Je suis un peu flippée, parce que c'est la deuxième fois que Blue, elle s'échappe. Et la dernière fois, elle est partie 48 heures. On vient de déménager, on est dans un quartier qui est immense. Elle va jamais retrouver son chemin, franchement. Là, il faut qu'on la retrouve avant demain matin, parce que les enfants, ils se réveillent. Demain matin, ils pètent les plombs. C'est la catastrophe. Ah, Laurent. Stop, écoute. Laurent, on est allé jusqu'à l'autre villa. On la trouve pas, on a cherché dans toute la résidence. On trouve pas, on a hurlé, appelé des gens, j'ai mis un communiqué sur les réseaux sociaux. Rien. Non, on l'a déjà perdu plusieurs fois, on l'a toujours retrouvé. Oui, mais c'est la d'habitude, elle connaît la maison, elle revenait. Là, elle ne connaît pas. Blue, la grande Blue, elle est connue pour ses fugues. Donc moi, ça me stresse pas du tout, comme d'habitude. Je sais qu'elle va revenir. Très sincèrement, je ne sais plus quoi dire. Je n'ai plus les mots. Mon mari, je ne sais pas ce qu'il faut pour le perturber, mais je pense qu'il faut un séisme. Non, mais lui, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une bombe nucléaire pour que... Mais ça va bien se passer. Juste fais confiance aux choses. Ça va bien se passer, c'est sûr. J'ai composé une musique. Vous voulez écouter? Ah non, je peux plus. Non, mais dans tous les cas, on a fait tout notre possible. Blue. Ah, les gars, c'est pas drôle, là, vraiment, par contre. Blue, es-tu? Ça y est, toi aussi. Sissika. Blue, es-tu? Ça se trouve, qui sait? Si je chante une musique bleue, elle va revenir, peut-être. Donc, Laurent au piano, Sissika à la voix, boum. Blue est perdu. Blue. On est sur de la provocation. Il a provoqué, là. Blue, es-tu? Je pense que là, c'est clairement... on dépasse les bornes. Non, sérieusement, on dépasse les bornes, vraiment. C'est limite du manque de respect ou du foutage de gueule. C'était un vendredi soir.
soir, je sortais avec Mélissa. J'essayais de voir dehors. Mais il est sérieux là. Et je n'ai pas perçu la chaîne. Les filles, elles stressent trop, c'est ça leur problème. Elles voient pas que je leur fais une musique, elles voient pas c'est les efforts que je fais. Franchement, c'est pas sérieux. J'ai sorti la gamelle. Je suis sorti pieds nus. Mais j'ai pas trouvé la chaîne. Mais il a pété un câble, le gars. Franchement, ça en est trop pour moi, là. Pour moi, c'est de la folie. Donc, je vais aller me coucher parce que... je n'ai pas envie qu'on en vienne au cri, en fait. On n'en peut plus de vous et vos têtes de cul. Donc, nous allons nous coucher. Sur ce, bonne soirée. Mimine, tu vas faire une nuit blanche. Garde bien ton téléphone. Elle me missionne, elle me dit, tu vas faire une nuit blanche. Tu dois attendre Blue, tu dois la chercher. Je suis KO, je suis debout depuis... Love, moi c'est bon, genre j'ai juste une envie, c'est de dormir. What if I trip?